Hey tout le monde, c'est StarFaxMC et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette maison. Voici les blocs dont vous aurez besoin. Donc pour commencer cette maison, vous allez construire cette base. Et vous allez monter les murs à 4 blocs de haut. Vous allez ensuite les varier avec de la diorite. Vous allez ensuite rajouter 3 blocs juste ici. Et à l'opposé, puis monter de 5 blocs de haut ces murs. Après, de ce côté et de ce côté-là, vous allez faire un mur, donc pareil que celui-ci, et le monter aussi à 5 blocs de haut. Et vous allez le varier avec de la diorite. Après, vous allez prendre les escaliers en sapin et les dalles en sapin, et à ce niveau-là, vous allez poser une ligne qui va jusqu'au bout, qui déborde de 1, et faire pareil de l'autre côté. Et vous allez rajouter donc un escalier jusqu'en haut. Une fois en haut, vous allez mettre un escalier à l'envers et une dalle au-dessus. Après, avec de la laine violette et du béton violet, vous pouvez aussi faire ça avec n'importe quelle couleur, ça peut aussi passer. Vous allez remplir le toit comme ceci. Et vous allez varier les blocs. Enfin, sur le bas, vous allez rajouter un mur de blackstone avec deux iron barns sur le côté. Rajouter une fence en crimson et enfin une barre de fer sur le dessus. Et vous allez aussi faire ça de l'autre côté. Puis sur les façades de devant et de derrière, les fenêtres que vous allez faire seront faites comme ça, donc un escalier à l'envers et deux dalles sur le côté, ainsi que des vitres au milieu. Et sur les côtés droite et gauche, vous allez poser un escalier à l'envers avec deux slabs et des vitres, en rajoutant un escalier et un autre de l'autre côté et une dalle sur le dessus. Et vous pouvez faire des fenêtres sur toutes les façades. Après, d'un côté de la maison, vous allez rajouter donc sur ce mur une porte en birch ou en sapin à l'envers et rajouter un escalier en diorite juste au-dessus. Puis un bloc au-dessus, vous allez rajouter une dalle en sapin et deux trappes et des vitres au milieu. Et vous allez venir juste au-dessus poser deux escaliers de chaque côté, avec deux escaliers à l'envers, trois dalles et une dalle au milieu. Enfin, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous pouvez rajouter une dalle et deux trappes avec deux vitres. Après, vous allez rajouter une ligne de laine et de béton rose. Dans les coins, vous allez ajouter deux dalles. Et sur les côtés, vous allez mettre un escalier au milieu avec deux dalles sur le côté. Le niveau d'au-dessus, vous allez rajouter cette forme. Donc dans les coins, vous faites des coins de 3 blocs et vous rajoutez un bloc au milieu. Après, vous faites des lignes de 3 blocs et vous rajoutez dans les coins un bloc. Enfin, au niveau du dessus, vous faites une croix comme ceci. Puis vous rajoutez un muret en blackstone, une barrière en crimson et une barre de fer. Après, avec les blocs et dalles en andésite et en cobble, vous allez dans un coin de la maison faire une croix de 4 blocs, monter le bloc du milieu à quelques blocs de haut et monter aléatoirement sur les côtés. Vous pouvez rajouter quelques dalles et modifier les blocs de cobble en blocs d'andésite. Et enfin, sur le dessus, vous allez rajouter un feu de camp entouré de trapdoors en sapin et avec un muret juste au-dessus. Enfin, vous pouvez décorer la maison avec des glow lichens et des feuilles. Et voilà, ce tuto est terminé. Si cela plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un like. Ça me ferait énormément plaisir. C'était StarFaxMC. Ciao!